Salam la famille, j'espère que vous allez bien en compagnie du ref Yacine. Ouais, je vois, j'espère aussi que vous allez bien. Oh, machallah, la moustache, ça te va grave bien. Moi, je suis obligé de raser parce que je ressemble à un pirate. Bien. Donc aujourd'hui, les rayons, on est au McDo parce qu'il y a des nouveautés pour ceux qui mangent halal et ceux qui mangent pas halal aussi pour tout le monde. Non, sérieux? Là, c'est quoi les nouveautés? Fish and chips. Ah, bien. Attends, dis pas ce que c'est, on va voir s'ils vont comprendre l'anglais. On va commander et on va faire une méga surprise à Myriam parce que la dernière fois, avec Burger King, on a abusé. C'est pas un dessin animé ça, Fish and chips? Pourquoi il y a marqué je m'identifie ou je m'identifie pas? Il me recherche. Moi je m'identifie pas. Alors on va prendre un emporté parce qu'on n'a pas de passe sanitaire mais on a la carte bancaire. Bon, alhamdoulilah. Je paye en carte bancaire. Alors les nouveautés elles sont là. Petite fin. Nous allons dans. Et voilà. Chief fish and chips. Sauce. Et une nouvelle sauce tartare en vrai. Sauce tartare. C'est carré. Ensuite on va continuer avec nos petites fins. Ici, il y avait un autre que je voulais qu'elle teste, Myriam. C'est un tacos en mode veggie. Attends, je sais pas si je vais le trouver. Alors, il est où? Voilà, le wrap ranch. Ça, c'est la recette wrap. On va lui prendre veggie. Et il y a un nouveau dessert qui vient de sortir aussi, c'est celui-là. Je sais pas s'ils l'ont ici, pâtisserie. C'est le... Macaron, en haut à gauche. Macaron, voilà. Wow. Donc moi, j'ai un petit rendez-vous chez le dentiste, je vais y aller. Mais j'ai pas ma carte. Voilà, j'ai pas ma carte. Tu casses la tête. Valider la commande. Est-ce que tu vas faire un don pour la fondation McDonald's ou pas? Non, ça va aller. Les gars, je suis en train de péter un câble. Ils ont remis San Andreas sur la PS5. Je crois qu'on va le streamer tout à l'heure là. Donc je le streamerai sur Familia Stream. On va faire l'émission et tout. On va casser des barres. Il y a aussi Snap. Venez vraiment parce que je vais regarder un ou deux Snap là avec Yacine. On va vous répondre. Et puis je voulais juste vous dire que la dame elle a eu peur de moi au McDo. Je sais pas pourquoi. Je lui ai rien fait. Je me suis pas embrouillé avec elle, mais Yacine va vous raconter. En gros, on avait commandé des macarons et la meuf elle vient nous voir et nous dit ouais, il y a plus de macarons, désolé, il faut choisir autre chose. Du coup, il choisit un donut et là la meuf elle nous envoie un mec. Zlatan Ibrahimovic, elle nous envoie. Parce qu'elle a eu peur de nous dire qu'il y avait plus de donuts. Du coup, il y a un mec qui vient voir Younes, il dit ouais, les gars, il y a plus de donuts, il y a des cookies si vous voulez, je sais pas quoi. Younes il dit vas-y, bon, on va prendre un brownie. La meuf elle arrive derrière en mode tout timide. Désolé. Hein. Bon, la famille, là, on va regarder vos snaps. Vous avez posé une question sur Snap. Quels sont vos repas préférés? On va voir c'est quoi vos goûts, là. C'est parti. Pizza au saumon à la sauce tomate. Pizza saumon sauce tomate. Pour le soir, pour le matin, ça serait... Pourquoi? Ça serait des chips et... Il s'appelle comment? Non, mais lui, il y a un problème, lui. Il s'appelle comment? Amine, il met un filtre. Il y a marqué au boulot. Il vient de se réveiller à 14h. On voit son lit à côté. Et il nous parle de chips le midi. Wesh. Qu'est-ce que tu nous racontes de matin, le chips ce matin? Le matin, mais c'est un malade, Amine. Eh bien, Paris. S'il te plaît. Tu peux ouvrir, s'il te plaît? Oh, papa, il t'a mis une pression. Oui. Ouvre la porte, dépêche-toi. T'es un malade. Il a juré au qui m'a ramené une surprise. Bah c'est vrai, il y a une surprise. T'as ramené une surprise. Va te déshabiller d'abord, il va te laver les mains. Et enlève ton masque. Donc, je vais te sortir... Attends, regarde pas, t'as pas regardé. Younes, on commence par quoi? Je te laisse décider. Comment le sucré ou le salé? Le salé en vrai. Le salé, tu préfères commencer par le sucré ou le salé? Salé, après sucré, salé, c'est la base. Le salé, ok. Donc il y a des nouveautés. Première nouveauté... Est-ce que je peux en regarder pour ce soir? Ouais. Première nouveauté, tu as ça. C'est une crêpe. Fish and chips. Tiens, prends-le dans tes mains. Avec. Oh, il y a des trucs qui sont tombés. Attends, tiens, je te le remets. Oh, ça a l'air incroyable, c'est grave moelleux. Donc là, nous avons ici des trucs. Je sais pas, c'est des nuggets, je sais pas, c'est quoi ça, c'est des frites. Sors une nuggets pour voir. Ah, ouais, impeccable. Il y a plein de personnes qui se demandent si ça vaut le coup de tester les nouveautés ou pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tout vous mettre dans une assiette, comme ça vous aurez une meilleure visibilité de comment ça se présente. Tac, 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 tac. Il en reste encore. Et il y a des trucs aussi. Tac, on va mettre aussi le tacos. C'est un tacos? C'est un sorte de tacos ranch bizarre, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Donc attends, tac. On va te le mettre ici. Oulala. Ouais, c'est comme un tacos en fait. C'est un tacos. Avec quoi? Ça a l'air incroyable. Tac. On a, donc là il reste un peu de frites. Voilà. Donc Myriam, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tremper ta nuggets de poisson dans la sauce et goûter. Et tu vas dire d'abord si c'est goûter bon, sans. Pas. Vas-y, goûte d'abord sans, goûte d'abord sans. T'as oublié. Elle a encore oublié de dire bismillah. C'est bon. C'est pas comme la dernière fois Burger King. Est-ce que ça a le goût du filet au fish du McDo? Un peu. Ok, maintenant trempe dans la sauce tartare. C'est une nouvelle sauce du McDo qui vient de sortir. Et dis-nous si c'est bon ou pas. Grave-moi, c'est mieux avec la sauce ou sans la sauce? Avec la sauce. La sauce, t'as le goût de quoi? Bah, c'est du tartare, c'est comme de la mayonnaise, mais en plus bon.
Ça a le goût comme de la mayonnaise. Est-ce que ça a le goût de la mayonnaise de ce qu'il y a dans le McDo là? Un peu. Dans le filet au filet. Ok, bah maintenant on va pouvoir goûter ça. Le wrap. D'abord ça, je vais goûter avec ça. Vas-y, goûte-les. Mais mets plein de sauce. Ouais, mets plein de sauce. Mais en vrai, j'ai une bête de technique. Est-ce que t'as pensé à ce que j'ai pensé, Lionel? Je veux juste voir la sauce comment elle est, parce qu'il y a plein d'abonnés qui vont vouloir voir si vous voulez tester la sauce tartare. Voilà, c'est la petite sauce tartare. Si donc c'est à peu près presque pareil que la mayonnaise. Est-ce que vous pensez à ce que je pense ou pas? Tu penses à ce que je pense? À quoi? Non. Vous ne pensez pas à ce que je pense, c'est pas normal, les gars. Tac. Tu mets des frites dedans. Tac. Tac. N'importe quoi. Tac. Et là, tu tapes un croc. Et là, tu tapes ton plus gros croc. Et Yasmine surprend tout le monde, tu tapes un gros croc dedans. Est-ce que tu valides ou pas? En plus, elle est team tomate, elle kiffe les tomates. Quand t'es petit, tu mangeais pas comme ça. Ça me donne envie. Alors? C'est grave bon avec le... Avec la nuggets de trucs là. Oh, j'ai trouvé une vraie recette. On peut filmer l'intérieur parce que ça me donne vraiment l'intérieur. Envie. Ah ouais, dinguerie. Je le refaire? En tout cas, pour une fois, c'est pas les fiches au wasabi, les trucs dégueulasses de McDo. Ah ouais, j'avoue, ils ont sorti. Là, ils ont respecté. Donc là tu nous confirmes que ça, c'est exceptionnel. Ok, bah à vous de conseil. Donc ceux qui veulent tester, n'hésitez pas à tester. Mais c'est pas fini, on t'a réservé autre chose aussi. Ça, c'est ma partie, le dessert, c'est ma partie. Il y a une autre surprise, on va laisser Younes. En vrai, ça, tu devrais laisser. Ça, c'est McDo ou pas McDo, à ton avis, dans la nouveauté? McDo. Ouais. Tu devrais laisser pour ce soir, ça, en vrai. Non, laisse. Tu sais qu'au goûter, quand elle rentre de l'école, elle mange de ouf parce qu'à la cantine, c'est dégueulasse qu'elle mange. T'as mangé quoi à la cantine aujourd'hui? Des pizzas. Quoi? Des pizzas. À la cantine, vous mangez des pizzas? Bah oui. Alors, le dessert. On devait avoir des macarons, mais la dame, elle m'a dit « Excusez-moi, monsieur, on n'en a plus. » Donc là... Ouah. J'ai pris. Oh, ça a l'air bon, déjà. Sauf que on va le customiser parce que c'est la vidéo des nouveautés. On ramène un tout petit peu de miel. Mais ça, regarde ce que je fais. Tu le mets sur côté, comme ça, je vais goûter. Non, mets pas dessus. Une partie. Elle a raison, tu devrais le mettre sur le côté, ça lui fait comme une sauce. Voilà, c'est bon. Le miel, il faut jamais le prendre avec une cuillère en bois. Non. Enfin, avec une cuillère en métal, parce que vous annulez tous les bienfaits du miel. Attends, d'abord, montre à la caméra comment il est le cookie. Enfin, le brownie. Oh, il a l'air incroyable. C'est grave, moi, le miel. T'as vu? J'espère que ça vous aura plu, en tout cas les nouveautés de chez McDonald's, c'est Omar, je remercie Omar, il m'a dit Younes, c'est des nouveautés que tu devrais tester, franchement impeccable, moi j'aurais goûté mais là j'ai commencé une jet. Sa nouvelle expression c'est impeccable. Ouais, impeccable, j'aurais bien goûté mais j'ai commencé une jet, et là quand vous savez quand je mange, quand je mange pas, quand je calcule pas je mange ce que je veux, quand je calcule faut que je sois sérieux. Je peux le mettre là-dedans. Mais t'es une malade toi ou quoi? Si tu veux vas-y, si attends vas-y tu fais la maligne, vas-y. La sauce tartare. Impeccable. C'est bon? Pas trop. C'est encore heureux que c'est pas trop bon. Dis pas trop. N'importe quoi. Tu sais ce qui aurait été bon, ça aurait été ça avec le miel. Ça aurait été incroyable. Je te jure, tu vas péter un câble. Ça par contre, ça va pas. Ça se voit que deux, ils sont frères et sœurs. Non mais c'est... En termes de mélange bizarre. Salé, sucré, c'est incroyable. Tiens. Tu vas kiffer. Ton vrai avis, c'est dégueulasse. Non. C'est comment? C'est bon, mais pas meilleur que la sauce tartare. Mais c'est bon. Nous, on va vous laisser là. Bon week-end, n'oubliez pas, on sera en live tout à l'heure, donc venez nous rejoindre. Ah, pour quel jeu? GTA.